Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Hello, hello. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous embarquer avec moi parce que c'est une journée très, très, très particulière pour moi, une journée très, très, très spéciale pour moi. Nous sommes le 31 janvier et qui dit 31 janvier dit bon anniversaire! Voilà, aujourd'hui, j'ai un an de plus. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire quel âge vous me donnez. C'est vrai que c'est très compliqué pour moi de vlogger dehors parce que voilà, les regards et tout et tout et tout. Mais c'est doucement, doucement, on va y arriver, d'accord? Donc, y a certaines personnes qui attendent impatiemment Nouvel An, Noël, Pâques, Pentecôte. Moi, j'attends impatiemment chaque année le 31 janvier. Oui, oui, j'attends impatiemment le 31 janvier. Quand mon anniversaire passe, qu'on ne se rappelle pas de mon anniversaire, ça ne me plaît pas. Ça ne me fait même pas un peu comme ça. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, de me souhaiter Happy Birthday en commentaire. Oh bien. Bon, pourquoi je suis contente comme ça? Parce que moi, j'aime commémorer ma naissance. J'aime célébrer mon anniversaire. J'aime célébrer la vie, la chance que j'ai d'être... De me réveiller tous les matins et d'être en bonne santé tout simplement, d'avoir un toit où dormir, d'avoir des parents adorables sur qui je peux compter, d'avoir des proches qui sont toujours là pour moi, bref, d'avoir de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance autour de moi. Mais tu demandes à quoi? C'est tout simplement content, c'est tout. Je me suis d'ailleurs réveillée ce matin avec beaucoup de gratitude, vraiment beaucoup, parce que j'ai une nouvelle chance de profiter de la vie et de réaliser mes rêves. Du coup, pour ça, un an de plus, qu'est-ce que je me souhaite, hein? Qu'est-ce que tu te souhaites là pour ça, un an de plus? Alors, je me souhaite la santé et rien que la santé et le reste se suivra. De toute façon, je fais confiance à l'univers comme d'habitude. Alors, je remercie l'univers pour ma famille, pour mes amis, pour ces personnes que j'aime et celles qui m'aiment et qui me soutiennent au quotidien. Je vous remercie, vous qui me suivez sur mes différents réseaux sociaux. Merci surtout à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages d'anniversaire ce matin. Non, vous avez fait fort, vous n'avez pas oublié mon anniversaire. Non, mais on peut mettre quelqu'un comme ça. Non, j'ai beaucoup aimé ça. Vous n'avez pas oublié mon anniversaire. Vous savez qu'elle tient beaucoup à mon anniversaire, non? Non, vraiment, merci. Merci vraiment du fond du cœur. Bon, il faut que j'aille ce massage, femme. On a rendez-vous ce matin. On a certains examens à faire. Et puis voilà quoi, on se prend après. Bisous. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast. Je viens de rentrer de chez ma sage-femme. Alors, c'était bien, c'était cool. D'ailleurs, j'ai une très bonne sage-femme. Elle est vraiment attentive, elle est à l'écoute, elle est bienveillante, quoi. Et du coup, en rentrant, je me suis rendu compte que la poste était passée. Et j'ai reçu deux paquets. J'ai reçu ces deux paquets-là. J'ai un peu ma petite idée de ce qui se trouve à l'intérieur d'ailleurs. Et en fait, je me suis inscrite sur une plateforme qu'on appelle Ivinci. Je crois que c'est pour ça qu'on appelait ça à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui c'est devenu Skippers ou un truc de ce genre. Et en fait, c'est une plateforme qui met en relation les influenceurs et les consommateurs avec les meilleures marques pour pouvoir élaborer une collaboration sur un produit ou bien sur un service en fait. C'est vous dire d'entrée de jeu. Les collaborations sur la plateforme ne sont pas payantes. C'est ça le bémol avec. Du coup, ce que moi je fais souvent en fait, c'est que moi je prends les collaborations qui ne vont pas me donner les mots de tête, donc où je vais donner mon avis sur les produits après utilisation, bien évidemment. Parce que
Voilà, j'ai remarqué que sur la plateforme, quand il faut publier sur Instagram, faire une story Instagram ou bien une story ou bien faire un post, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, tu n'es pas payé et tu dois donner tu dois donner ta publication en l'espace de moins de 21 jours. Pourtant, quand tu veux donner des avis par rapport au produit, on te donne le temps de tester les produits et de donner ton avis sur les différents sites qu'on te demande. Et du coup, la dernière fois, en fait, j'ai pris sur le site, j'ai commandé sur le site certains produits pour la sécheresse de la peau et pour et des démangeaisons, en fait. Et c'est généralement des produits qu'on peut utiliser aussi en cas d'eczéma ou bien. De toute façon, je vais vous montrer quoi. Sûrement, certains d'entre vous connaissent déjà le nom des marques d'en fait. Le premier produit, en fait, que j'ai, c'est ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un shampoing traitant. Voilà, c'est la marque, c'est Ducray. Voilà. Et c'est écrit, c'est un shampoing. Voilà, pour diminuer les démangeaisons. C'est fait pour les peaux sèches. D'ailleurs, c'est écrit là-bas, un shampoing traitant, soin d'accompagnement des peaux à tendance psoriasique, favorise l'élimination des plaques et apaise les démangeaisons. Voilà, c'est dans un flacon de 125 ml comme ça là. Donc, voilà, ça sort comme ça. J'ai vu beaucoup d'Instagrammeuses utiliser le produit ici. Bon, ça n'a pas besoin. Le deuxième produit que j'ai reçu, c'est celle-ci. C'est toujours de la marque Ducray, vous voyez. Et c'est écrit dessus crème apaisante squamo réductrice. C'est pour le visage. Apaise les rougeurs et irritations. Élimine les squames et limite les récidives. Pour peau irritée avec rougeur et squames. Voilà. Je l'ai pris. C'est un flacon de 40 ml. Voilà. C'est pour le visage. Et là, j'ai aussi pris, j'ai choisi ceci. C'est Eau thermale à veine. Voilà. C'est une huile lavante lipidante pour peau très sèche sujette à l'eczéma atopique. Voilà. Donc, c'est dans un flacon de 400 ml. Premier carton est fini. Dans le deuxième carton, qu'est-ce qu'on a? Dans le deuxième carton, on a juste un seul produit. C'est toujours de la marque Avène, comme ceci. Attendez. Voilà, ce sont les mêmes marques. Et qu'est-ce qui crée dessus? Bon. C'est toujours la même chose, hein, pour diminuer les démangeaisons, pour les peaux sèches. Et c'est fait, en fait, ces produits sont faits pour les enfants, pour les bébés et pour les adultes. Voilà. Donc, voilà les produits que j'ai pris, que j'ai choisi sur la plateforme. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vais vous donner le nom de la plateforme ou bien vous pouvez m'écrire sur Instagram. Je vais vous donner le nom de la plateforme. Mais pour ces personnes qui publient régulièrement sur les réseaux sociaux qu'on demande sur la plateforme, vous pouvez recevoir beaucoup de produits. Moi, je ne publie pas beaucoup. Ça fait même un an que je n'ai pas publié sur Instagram. Ce qui fait en sorte que je reçois à peine la proposition des produits, en fait. Voilà. Même parfois. Mais pour être aussi sur la plateforme, il faut avoir minimum 1000 abonnés. Oui, 1000 abonnés. Voilà. C'est tout. Bon, tout à l'heure dans le bus, je me suis dit, bah là, ça fait quand même longtemps que tu n'es pas allé sur Twitter. Il faut que tu ailles voir un peu ce qui se passe. Parce que pour moi, en fait, Twitter, c'est la poubelle d'Internet. Je n'y vais pas tout le temps, surtout quand ma santé mentale là-bas. Les gens là-bas sont intolérants, ils sont malveillants. Ils n'ont aucune éducation sur Twitter, en fait. Il faut savoir que si sur les réseaux sociaux, tu n'as pas d'éducation, ce n'est pas dans la vraie vie que tu es bien éduqué. Donc là, il faut oublier. Du coup, j'arrive sur la tutosphère. Je vois des tweets sur Laurie Harvey, c'est la fille de Steve Harvey.
Si tu ne sais pas qui c'est, je vais te mettre les photos à l'écran. Et si tu ne sais pas encore toujours qui c'est, tu peux aller Google. Google, c'est ton ami. Donc, du coup, j'arrive là-bas et je vois des milliers de tutus. Elle a encore fait passer ici. En fait, les gens se sont fâchés parce que la go a largué son mec. Et qui est son mec? Michael Jordan. Et les gens se fâchent parce que ils disent que la go, elle va de mec en mec et que c'est une fille facile. Parce qu'il faut savoir que Laurie, en fait, elle, dans ses relations, elle fait seulement un an, maxi un an et demi, et puis elle s'en va. De toute façon, elle me l'a dit dans une interview que quand elle est dans une relation et que ça ne va pas, et qu'elle n'est pas respectée, et qu'elle ne trouve plus son intérêt, elle pose ses clics et ses claques, elle part. Pas. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens s'offusquent, pourquoi est-ce que les gens s'en prennent à elle et tout. Déjà, il y a deux groupes. Il y a les hommes, dit Alpha, nos frères Bantou, on va dire ça comme ça, qui disaient que voilà, c'est une matérialiste, c'est une fille qui elle fait tout ça parce que pour le moment, elle est encore belle. De toute façon, quand elle va vieillir, qui va encore s'occuper d'elle, qui va encore la gérer et tout et tout. Il y a d'autres. Bref, tellement tous ces hommes étaient contre elle. Et on a aussi d'un côté les femmes qui sont contentes de ce que Laurie fait. Parce que, en fait, quelque part, Laurie essaye de. Elle fait la même chose que les hommes dits alpha font, en fait. C'est-à-dire, elle a pris les hommes à leur propre jeu. Elle est belle. Beauty privilege. Vous voyez un peu quoi. Elle est belle. Elle a de l'argent. Elle est influente. Et les femmes, en fait, j'ai eu du mal avec elles. Pourquoi? Parce qu'elles ont érigé Laurie en une. Je ne sais pas comment ils veulent dire ça. Elle est venge, quoi. Dans une vengeresse de leur souffrance et tout. Mais je suis désolée, quoi. Si vous êtes dans vos relations et qu'elles sont toxiques et que vous ne voulez pas sortir de l'intérieur, ce n'est pas Laurie qui va venir vous faire sortir de vos relations toxiques, en fait. Elle me l'a dit, si ça ne va pas, portez vos pieds, vous partez. Donc, je ne vois pas à quel moment est-ce que Laurie va venir. À quel moment est-ce qu'elle vous venge? Elle ne vous venge pas. Personne ne vous force à rester dans vos relations toxiques ou bien quoi que ce soit. Mais après, il faut savoir que c'est normal. Elle est belle. Hashtag beauty privilège. Elle se sert de sa beauté. Et quand on vous dit souvent, il faut être indépendant. Il faut être financièrement stable. Les hommes là, ils font ça parce qu'ils savent que Laurie ne va rien les faire. Bon, Laurie, elle sait que voilà, elle a tout ce privilège, que ce soit de l'argent, de l'influence. De la beauté, elle a tout ça en fait, et elle sait s'en servir. C'est ça qui énerve les hommes en fait, c'est ça qui les énerve. Comment est-ce que une fille noire ne sort? Parce que si Laurie sortait avec des hommes blancs, je ne suis pas sûre que les gens là allaient réagir comme ça. Non, il faut oublier, ils n'allaient pas du tout réagir comme ça. Ils ont réagi comme ça parce qu'ils savent comment est-ce que. Déjà, qui vous a même dit, quand on dit aux femmes noires même que. Ne baissez pas, même les femmes en général, hein, ne baissez pas vos standards parce que voilà et tout. Et tout. Moi, j'ai connu des gens autour de moi qui ils ont eu à divorcer, qui ont des enfants, mais qui se sont remis en couple, qui se sont mariés avec 5 enfants, 6 enfants. Donc, quand vous baissez vos standards, soi-disant, pour ramener l'homme vers vous, là, chaque fois, perdez votre temps. Donc, quand j'ai vu ça sur Twitter, moi, je me suis dit, ah, vous perdez votre temps dès elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps. C'est son corps, elle utilise son corps comme elle veut. Fâchez-vous comme vous voulez. Elle va encore sortir avec une autre personne. Et quand ça va parler dans la relation, elle va encore zapper et elle va continuer. C'est un fait, c'est comme ça. Donc, arrêtez de la prendre pour exemple et vivez vos vies. Chacun vit la vie que quand demain il va mourir, il va dire que non, je au moins je vais plus cette vie-là. C'est comme ça. Et les hommes qui se fâchent, alors vous savez ça. De toute façon, c'est comme ça, c'est Laurie Harvey. Certaines personnes ont dit qu'elle a bien lu le livre de son père. Bon, j'ai pas lu le livre de son père, donc je sais même pas de quoi. Je sais pas de quoi le livre parle en fait. Mais ce qui est sûr, que chacun prête ses responsabilités. Parce que une partie de Laurie fait tout ça, c'est parce qu'elle sait qu'elle dépend financièrement de personne. Elle est belle. Elle a tout ce qu'une femme a besoin en fait, ce qu'une femme est censée avoir. Donc, voilà, bref. Non, mes amis, attendez un peu. Soyons honnêtes. Surtout avec l'aide des réseaux sociaux. Car il faut avouer qu'être belle, ça ouvre archi de portes. Hein. Tu peux avoir zéro talent et juste être belle. Et avoir la même destinée qu'une personne qui a archi travaillé, qui a durement travaillé de sa vie. Car surtout maintenant avec les réseaux sociaux.
Beauty privilège. Allons manger. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack map here. Track in. Pack map here. In. Track your backpack here. In. Can't in. Back coast. Hold back there in. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see. Le aromatisé. Au 42 Gousdaï. Au 42 Gousdaï. Dis ça en bégay, pardon. La jardinière. Bon, on a donc. C'est comment, le vivida? Voilà, apéritif. Oui, oui. Comment apéritif, nous avons? Bon, après l'apéritif, on a les cocktails et. Tu présentes les apéritifs, mon beau. Bon, on a les boulettes. Les boulettes faites à. Au pida, au pida. Faites avec le pida, ça sent pas. C'est pas bon au pida. Bon, c'est fini. Bon les amis, c'est ici que le vlog se termine. Merci vraiment du fond du cœur pour vos messages. Vraiment, vous m'avez... J'ai pas de mots. Alors, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, de commenter, de partager et surtout de s'abonner. Voilà, tchuss.